Je suis docteur Kwaku Jacquemin, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Nous avons invité les formations sanitaires aujourd'hui ici à la direction de coordination pour réfléchir ensemble comment nous pourrons intensifier les activités de lutte contre la tuberculose en leur sein. Vous savez que la tuberculose est une grosse préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, parce que la tuberculose constitue encore une grosse préoccupation sanitaire dans la sous-région. Et donc, pour aller jusqu'à l'élimination de la maladie, tous les pays s'accordent, encadrés par l'OMS, à développer des stratégies de lutte. La stratégie principale, c'est la détection rapide des cas et la mise en traitement de ces patients. Mais pour détecter les patients, il faut des structures de santé, il faut du personnel, il faut former ce personnel et équiper les différents services. Quand vous voyez dans nos pays, et surtout en Côte d'Ivoire, Abidjan, les grandes villes concentrent plus de malades que les populations rurales. Et Abidjan seulement concentre, vous avez vu, 47% des malades dans le pays. Et donc, la prise en compte des malades d'Abidjan résout en partie le problème sanitaire au plan tuberculose en Côte d'Ivoire. Et donc, les structures sanitaires d'Abidjan étant surtout constituées des FSUCOM, nous avons voulu rencontrer donc les premiers responsables de ces FSUCOM pour discuter ensemble de leur implication effective dans la lutte contre la tuberculose. Le programme existe depuis 2001, mais dans la présentation, on vous a montré qu'il y a déjà 12 FSUCOM qui font la prise en charge de la tuberculose. Aujourd'hui, la rencontre, c'est une rencontre pour inviter tout le monde et partager ensemble cette vision. Sinon, individuellement, les FSUCOM d'Abidjan ont été approchés. Nous avons eu à réhabiliter même des sites de prise en charge de la tuberculose dans certains FSUCOM. Nous avons formé le personnel, nous avons équipé et donc on a connu l'implication de pas mal de structures. Aujourd'hui, on a voulu généraliser cela en invitant tout le monde. Parce que chacun peut, je connais aussi les difficultés pour avoir approché pas mal de responsables. Je connais les difficultés qu'ont les FSUCOM. Mais la lutte contre la tuberculose est à plusieurs échelles. Il y a les grosses structures qui peuvent disposer de grands services avec beaucoup de personnel qui font le diagnostic, le suivi des patients. Mais on peut contribuer à la lutte contre la tuberculose si on n'a pas de structure pour faire le diagnostic, mais au moins pour faire le suivi des patients. C'est des centres de traitement et donc des structures des FSUCOM qui ne disposeraient pas de laboratoire approprié peuvent aussi faire le suivi des patients. Et donc voilà cette vision qui doit être partagée. Il faudrait que chacun à son niveau, même s'il ne peut pas aussi faire même le suivi des patients, sache orienter les patients là où il faut. Parce qu'effectivement, il y a des services qui sont des FSUCOM qui sont très très réduits. Et donc, si vous ne pouvez pas faire la prise en charge, mais savoir au moins les services de prise en charge et savoir orienter les patients là où il faut. Donc voilà un peu l'objet de la rencontre. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Nous avons eu des rencontres précédentes. Je me rappelle bien quand je suis venu la première fois à la coordination, c'était à la direction régionale d'Abidjan, au sein de l'ADIEM, que j'ai eu ma première réunion avec les FSUCOM. Monsieur Ouattara était là-bas et c'est ainsi que Ouassakara a eu son premier site de prise en charge de la tuberculose et beaucoup d'autres. Par la suite, on avait compris qu'il y avait un besoin de réhabilitation des sites. Nous sommes engagés, on a réhabilité pas mal de sites dans les FSUCOM pour l'intégration de la tuberculose en leur sein. La tuberculose est une maladie infectieuse qui atteint préférentiellement les poumons dans plus de 90%. Et donc, le signe majeur pour reconnaître que quelqu'un a la tuberculose, c'est la toux. Quand quelqu'un tousse et crache depuis plus de 2 semaines, il faut que la personne se rende à l'hôpital. Cette toux peut être accompagnée
d'autres signes qu'on appelle des signes qui accompagnent véritablement la tuberculose, ça peut être une fièvre. Une fièvre généralement qui apparaît le soir. Et puis la fièvre peut ne pas être une fièvre très élevée, 40 degrés, non. Elle va aussi autour de 38 degrés. Mais il faut consulter. Et la fièvre s'accompagne aussi des sueurs. La sueur apparaît généralement la nuit. C'est des sueurs profuses. La personne ne se sent pas parfois trop abattue, mais transpire la nuit, mouille son lit. Et donc, quand c'est comme ça, il faut véritablement consulter. La personne va perdre l'appétit. Et quand tu ne manges pas bien, tu vas commencer à maigrir. Et donc, la perte d'appétit et accompagnée d'un amaigrissement doit faire penser à la tuberculose. Parce qu'il y a des formes qui ne sont pas pulmonaires. Pour les formes qui ne sont pas pulmonaires, la personne ne va pas tousser. Ceci, c'est une tuberculose extra-pulmonaire. Mais les autres signes seront les mêmes. La fièvre va exister, la sueur nocturne va exister, la perte d'appétit va exister et l'amaigrissement va exister. Et donc, quand vous avez ces signes, il faut aller dans un centre de santé pour qu'on regarde et qu'on vous fasse des examens appropriés pour le diagnostic de la maladie. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'implication de tout le monde. Parce que Abidjan, quand vous voyez les services publics de santé, il n'y a pas beaucoup. Je pense, je n'ai pas la proportion, mais le privé brasse une grosse partie des malades à Abidjan. Et donc, c'est l'implication du privé. Aujourd'hui, le FSUCOM, nous vous considérons comme structure publique, hein, ou bien semi-publique. Mais nous sommes aussi dans une dynamique d'intégrer le privé à but lucratif. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Après la réunion d'aujourd'hui, je pense la semaine prochaine, nous aurons une grande réunion avec les grandes cliniques privées d'Abidjan pour leur implication également. Mais sachez que nous sommes avec des communautaires qui mènent des interventions dans les quartiers précaires, de sensibilisation, d'orientation des patients vers les sites de prise en charge. Nous sommes dans les prisons. La grande prison, la Maca également, nous avons des malades là-bas et quand ils sortent, véritablement, ils sont mal orientés. Et donc, nous menons des stratégies pour l'encadrement de ces patients à la Maca. Et donc, c'est l'implication, avec l'implication de tout le monde que nous irons, nous pourrons contrôler la maladie à Abidjan. Les stratégies de communication, vous savez, nous avons élaborer un plan de communication. Le plan de communication, il a un coût. Il n'a pas pu être mis en œuvre comme il se devait, mais c'est autour des journées mondiales de lutte contre la tuberculose que nous menons des activités de sensibilisation. Mais depuis un certain temps, vous écoutez des spots de lutte contre la tuberculose à la radio et à la télévision. C'est des sports qui continuent. Nous développons des activités aussi à travers l'ONG qu'on appelle Alliance, qui est notre partenaire pour les aspects communautaires. Mais aussi, nous impliquons véritablement, dès que nous avons l'occasion, les radios de proximité pour lancer des activités de lutte. Véritablement, il faut, vous savez, la communication nécessite beaucoup de moyens. Et donc, c'est autour de la journée mondiale que l'essentiel est fait. Après, c'est à l'occasion, comme c'est le jour aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous vous avons invité pour que le message que nous donnons aujourd'hui puisse être porté vers la population. Il y a des services qui prennent en charge la tuberculose totalement. La détection, le suivi, ils participent aux réunions de coordination au niveau des régionales avec les CDT. Et donc, ceux-là sont déjà partie prenante du pôle des services qui prennent en charge la tuberculose. Mais ceux qui n'ont pas commencé encore, nous souhaiterons qu'ils intègrent cette mouvance-là
comme je l'ai dit, chacun à son niveau. Si vous ne pouvez pas intégrer véritablement le laboratoire, mais au moins il y a des aspects de suivi que vous pourrez mener comme activité, ou tout simplement des aspects d'orientation des patients vers les services de prise en charge. Dans tous les cas, le cadre que nous voulons mettre sur pied aujourd'hui devrait être un cadre pérenne. Et donc, périodiquement, nous allons inviter les FSU.com pour faire le suivi des actions que nous allons mettre en place. Et nous pensons que les hauts responsables des FSU.com devront participer à partir d'aujourd'hui à toutes les actions de lutte contre la tuberculose que nous allons mener au niveau du pays. Quand nous aurons les grandes réunions bilan, les grandes réunions de développement des stratégies, les hauts responsables de FSU.com seront convoqués pour donner leur point de vue sur les activités qu'ils pourront mener pour une prise en charge correcte de la tuberculose sur la ville d'Abidjan. J'invite la population ivoirienne à consulter très tôt et à inviter les parents ou autres amis qui toussent à consulter très tôt. C'est en consultant très tôt qu'on arrive à briser la chaîne de transmission de la maladie. Parce que nous avons des antituberculeux qui sont très efficaces. Si le malade est vite sensibilisé, qu'il consulte tôt, qu'il commence à prendre les médicaments, au bout de 2 semaines, il n'est plus contagieux. Et donc, nous invitons la population à inviter les gens à consulter nos centres de santé dès lors qu'il y a des tousseurs parmi eux. Maintenant que les malades sont diagnostiqués, la population a encore un rôle important, c'est le suivi des patients. Il faut suivre le patient jusqu'à sa guérison. Parce que si le malade ne guérit pas, s'il prend de façon intermittente ses médicaments et qu'il arrête à des moments où il ne faut pas, après il reprend, il risque de développer une résistance et le traitement devient encore plus compliqué. Et donc, dès que le malade est en traitement, nous devons l'encadrer. Nous devons le mettre dans des situations plus commodes. On en parlait tout de suite. Le problème alimentaire. Il faut aider les parents à bien se nourrir parce que dès lors qu'on commence à prendre les médicaments antituberculeux, il y a une restauration immunitaire, c'est-à-dire le déficit immunitaire qu'on avait, l'immunité reprend et donc la personne commence à avoir l'appétit, la personne va manger et donc pour grossir. Donc la personne a besoin de nourriture à ce moment-là et quand l'organisme est restauré, les médicaments sont encore plus efficaces et la personne guérit sans séquelles. Et donc, l'appui de la communauté est très important. L'accompagnement de la communauté est très important dans le suivi des patients.